On allume le micro. Normalement, si tout va bien, vous m'entendez. Et du coup, il n'y a plus qu'à switcher. Cette fois, je me trompe pas de bouton. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. On est vendredi, combien? 29 septembre? Oui, c'est ça déjà. Le mois de septembre est passé à une vitesse. Je suis défoncé. Honnêtement, j'étais à deux doigts de dire. Je vais me coucher, je laisse tomber comme un vieux papy, là, à peine à 21 h. J'ai passé une semaine de l'enfer, dès le lundi matin. Un bonheur. J'ai pas fait. En gros, j'ai pas dû faire la moitié de ce que j'avais prévu de faire cette semaine. J'ai répondu avec des trucs avec une semaine et demie de retard. Enfin, c'est un bonheur. Ah là là. Bon, du coup, comment vous allez-vous? Je sais pas s'il y a beaucoup de monde pour l'instant. Je vois 3-4 personnes qui veulent pas dire bonsoir. Pas grave, soyez pas timide, vous avez le droit de parler dans le chat. Ah, ce soir, on va discuter du. J'ai tenté une expérience pour le sujet de ce soir. J'ai lancé un sondage sur Twix, comme j'ai mis dans le titre du stream. Parce que j'avais plusieurs sujets en tête, j'arrivais pas à me décider, je me suis dit ok, on va faire le sondage et puis on verra ce que ça donne. Forcément, comme j'avais que trois sujets et que je voulais mettre quatre réponses, la quatrième, j'ai mis une référence. Alors manifestement, il y a beaucoup de gens qui la connaissaient, sinon elle n'aurait pas été majoritaire. C'était pas un vrai sujet pour le stream, donc mais. On pourra en parler vite fait. Mais bah je vais vous montrer d'ailleurs. De toute façon, on va pas non plus tortiller trop. Alors, c'est quoi ces desktops? Là, que je mette le bon morceau. Ah oui, alors ça, par contre, toujours. Hein, j'oublie toujours avant de commencer. Hein, c'est terrible. Hein, hop. Un jour, il faudrait que j'arrive à trouver comment scripter toutes ces conneries. Hop. Ça. Donc voilà, le sondage que j'ai fait, donc le 25 septembre finalement, hein, un peu plus tard que ce que j'avais prévu, c'était, j'avais trois sujets, discuter de sauvegarde dans Kubernetes avec un outil qui est très populaire qui s'appelle Velero, un autre qui était la présentation de Smokeping sur comment surveiller l'état de santé de sa connexion Internet finalement. Et un autre que je traînais depuis longtemps et où j'ai fini de ressortir le fichier, et j'ai même déjà commencé à travailler dessus pour plusieurs raisons que j'évoquerai probablement quand on abordera le vrai sujet, probablement la semaine prochaine. Du coup, donc ça c'est l'analyse des mots de passe que j'ai récupéré d'une base de données où les mots de passe étaient stockés en clair. J'ai récupéré que la colonne, hein. J'ai absolument plus aucune information de ce qu'il y a autour. Et comme il y a 700 000 mots de passe, on les regardera pas un par un. Hein. L'idée, c'est de montrer comment faire des petites analyses, principalement ligne de commande, parce que bon, 700 000 lignes, quoi que ça se fait encore dans un tableur, mais je suis pas sûr que ce soit le plus efficace. Et j'avais mis le dernier, qui était Obi-Wan Kenobi. Donc celui-là, il sort pas par hasard. C'est pas une référence récente. Manifestement, je sais pas qui a voté, mais on va dire que c'est pas que des gens jeunes hein, qui me suivent, donc forcément ils l'ont probablement. Je sais pas si vous l'avez. Vous avez le droit de le dire si vous savez d'où ça vient. Sinon je vais vous le dire. Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de. Qui sont dans le chat qui ont envie de parler? Ça cause pas beaucoup là. Hein. Bon, je vais vous le sortir, de toute façon, parce que j'ai pas. Honnêtement, ce soir, je pense que ça va pas durer 2 heures. Hein. Je suis même pas sûr qu'on fasse une vraie manipulation, un vrai déploiement. Donc Obi-Wan Kenobi, c'est une bêtise qui sort d'un vieux sketch des guignols de l'info sur Canal+, avant qu'il se fasse détruire par Bolloré. Comment c'était une parodie de Qui veut gagner des millions? Et donc, qui veut gagner des millions, c'est des questions. Et ça pose quatre. Il y a quatre réponses possibles. Et donc,
Généralement, dans les premiers niveaux de ce jeu télévisé, quand vous avez les premières questions, en fait, vous devez répondre à une série de questions. Chaque question est censée rapporter un peu plus d'argent à chaque palier. Les premières questions sont forcément faciles, les dernières sont plus difficiles. Et à chaque fois dans les réponses, il y a souvent des trucs qui sont dans les premiers paliers, les réponses sont souvent aberrantes. Et donc là, il s'était amusé à nous sortir un truc avec trois réponses plus ou moins pertinentes. Et la quatrième, c'était Obi-Wan Kenobi. Voilà. Alors donc, si vous cherchez sur YouTube, qu'est-ce qu'on a? Vous cherchez ces guignols de l'info qui veut gagner des millions. Alors non, ça, juste ça, c'est une autre référence que j'aurais pu faire, qui est un petit poil plus récente et que j'aurais pu faire aussi. Mais tiens, ils veulent pas la... D'accord. Non, bon, ben... D'accord, bon, on n'a pas le... Puis alors là, ça déroule après sur... Non, pas les guignols. Alors pas sur YouTube, alors, du coup. Ok, bon. Merci Canal+, faut croire. Alors peut-être qu'avec une recherche Google plus globale, en allant chercher... Parce que moi, j'avais regardé... c'était quand? Avant-hier, je crois. J'étais tombé sur une vidéo sur Dailymotion. Donc, si on va chercher sur Dailymotion, alors là, ça serait encore plus rigolo si elle y était. Alors non, évidemment non. Alors non, enfin, pas spécialement envie déjà d'arriver sur un site de vidéo à la demande et de tomber sur un truc de short qui se lance automatiquement alors qu'on ne l'a pas de ta gueule. Pardon. Donc c'est lui. Hop là. Incroyable. Je suis tombé sur la vidéo quand j'ai fait la recherche, hein, donc c'est qu'elle existe encore, normalement. Juste... ok. Alors du coup, si on fait ça, qu'on fait la recherche. Voilà, elle a été supprimée entre-temps. Tiens, c'est bizarre ça. Alors voyons voir. Hop là. Bernadette qui veut gagner des millions. Voilà. Donc voilà le... D'où vient, je vous mets le lien. Le lien dans le chat. D'où vient le sketch. Oui, alors non, j'ai pas besoin du son, de toute façon vous l'avez pas. Donc voilà, et c'est là où ils vont sortir le fameux. Ouais, il pose une question, donc il donne trois trucs, et la réponse D, c'est Obi-Wan Kenobi, voilà. Et c'est quasiment ça à toutes les questions du sketch. Donc voilà, donc non, on discutera pas de. Alors je me suis fait troller, hein, forcément. Il y en a qui m'ont demandé de faire vraiment un sujet sur Obi-Wan, un stream sur Obi-Wan Kenobi. J'ai eu un collègue de boulot qui a commencé à me sortir des histoires sur la jeunesse d'Obi-Wan. Non, non, pas à ce point-là. J'adore l'univers de Star Wars, même si je connais quasiment pas l'univers étendu. Mais comment? Mais non, donc on va pas déconner. Donc le deuxième vrai sujet, bah du coup, c'est Vélero. Le backup. Alors sachant que ça a discuté assez fort sur les différents tweets, retweets que j'ai pu faire sur le sondage. J'ai même eu des conseils. Qu'est-ce que j'ai récupéré? Rémi Verschaire qui a fait une présentation, alors il l'a faite à plusieurs endroits. Moi j'ai regardé celle qu'il avait faite à Volcamp, qui présente de manière assez complète les cas d'usage. Et il y en a,
Il y a un élément de l'intérêt que moi j'ai rencontré du coup pour le coup en production entre guillemets, que je voulais aborder sur le pourquoi en fait on a vraiment besoin de sauvegarder des choses directement à l'intérieur de Kubernetes et via Kubernetes. Et du coup je voulais en parler ce soir. Du coup je vais vous mettre quand même la vidéo de Rémi parce qu'elle est quand même très intéressante. Enfin, la vidéo, c'est pas lui qui l'a faite, c'est une captation. Si je fais ça, on va retomber dessus. Voilà, c'est celle-là. Alors, on a peut-être pas besoin de vous mettre tout le bazar, machin. C'est quoi ce truc, PP, machin. Voilà. Hop. Donc ça, c'est la vidéo de Rémi. Elle est assez intéressante. En plus, il raconte quelques petits fails aussi de restauration. Moi, j'en ai un petit aussi là-dessus, assez énervé. Alors, pas si grave que ça au final, mais quand même, c'était pas vraiment le meilleur plan du monde. Bon, on va reprendre depuis le début. De quoi on parle? De quoi on parle? Pourquoi faire des sauvegardes? Alors, un des arguments que j'avais vu de la part de, notamment, alors non, ça c'est de la discutaille autour du NAS. Oui, ça c'est un autre sujet que j'évoquerai peut-être après. Je suis vraiment en train de chercher à changer de NAS. Tac 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 tac. Est-ce que... Voilà. Voilà. Pourquoi utiliser, voilà, quand tu fais du GitOps? T'as pas besoin de faire de sauvegarde parce que tout est manifeste et que sont dans tes dépôts Git, c'est ta source de vérité et de toute façon derrière, en fonction de là où sont stockées tes données qui doivent être persistantes pour tes applications, tu peux finalement généralement les sauvegarder d'une autre façon. Ce n'est pas complètement faux. Ce n'est pas complètement faux. La preuve, moi actuellement, par exemple, les volumes de mon cluster Kubernetes sont sur mon NAS perso. Donc moi, mon cluster finalement n'a que peu de... Comment? Mon cluster n'a pas de... J'utilise pas le stockage local de mes nœuds ou une autre forme de stockage, parce que c'est de l'héberger à la maison, donc j'ai pas d'autre technologie que ça. Et en fait, bah, la sauvegarde de ces éléments-là, je les fais directement depuis un outil qui est sur le NAS pour les envoyer chez Etsner. Donc je n'ai pas besoin d'outils dédiés dans Kubernetes, dans mon installation de Kubernetes. Comme j'ai effectivement tous les manifestes dans des dépôts Git, que ce soit les manifestes purs ou les fichiers de configuration pour Helm. Alors si je hop, clac. Ah oh, ouais, c'est ça que j'ai pas réinstallé sur le PC. C'est le ah la vache. J'y pense. La synchronisation de mon gestionnaire de mot de passe que j'ai pas réinstallé. C'est pas bien. Donc dans le dépôt Kubernetes, hop, j'ai pourquoi ah oui, d'accord. Voilà, j'ai pas mal de choses et donc en fonction des installations, soit j'ai du full manifest maison, soit j'ai du fichier de values pour le chart L. Voilà. Et du coup, bah, effectivement, tous ces éléments-là peuvent être déployés si jamais je suis obligé de redémarrer ou je veux restaurer quelque chose. Effectivement, bon, bah, je pars. Oh tiens, la bonne faute. Si je dois repartir de zéro ou si je dois restaurer une version précédente, je peux repartir de mes dépôts Git pour faire le boulot. Donc c'est pas complètement faux. Comme je disais, en fonction de la technologie de stockage que vous utilisez,
Donc, par exemple, dans le cas d'un serveur NFS, la plupart du temps, vous allez d'abord vous concentrer sur comment sauvegarder cet espace NFS-là. Et ça, c'est valable aussi pour les cloud providers. Alors, comme je travaille depuis 3 ans énormément sur GCP, je pense d'abord à Google Cloud File Store. Donc, File Store, c'est un service NFS de stockage, service de stockage régional notamment, et donc ce service-là a une fonction de backup natif qu'on utilise pour comment pour sauvegarder les données des applications qu'on déploie. Dans de très rares cas, on va utiliser d'autres classe de stockage. Alors celle par défaut sur GCP, c'est ce qu'on appelle les disques persistants. Donc quand on déploie ces machines, en temps normal, on choisit nous-mêmes les disques qu'on rattache. Dans GCP, enfin en tout cas dans les clusters qui sont généralement les clusters Kubernetes que vous pouvez utiliser chez les cloud providers en service prêt à l'emploi, ils proposent des classes de stockage pour directement et de manière dynamique provisionner des volumes. Dans le cluster. Enfin, pour le cluster. Et donc ces volumes-là, en fait, sont techniquement rattachés aux machines virtuelles sur lesquelles vous exécutez vos applications. Et donc ces volumes-là peuvent. Vous pouvez créer des instantanés sur ces volumes-là. Mais comme c'est des volumes qui sont provisionnés de manière dynamique, la gestion peut être assez lourde. D'aller à la main, d'aller configurer sur les volumes, les snapshots, etc. Et donc vous avez très vite fait d'en rater. Et c'est pour ça qu'un outil comme Velero va être pratique, parce qu'il va pouvoir piloter depuis l'intérieur du cluster la création de ces instantanés-là. Alors historiquement, il y avait des plugins qui demandaient du coup des permissions dédiées pour interagir avec le cloud provider. Donc je pense à. Alors si je mets pas les bonnes lettres, ça va pas le faire. J'y suis jamais allé avec celui-là, d'accord. Donc voilà, le plugin pour GCP, vous avez le même pour Azure, vous en avez un pour AWS. Et donc historiquement, on déploie Velero avec ce plugin-là pour qu'il puisse interagir avec les volumes, notamment pour. Pour déclencher les snapshots directement au niveau de GCP. Ça a tendance à être de moins en moins pratique, enfin pratique, en tout cas utile, d'avoir un plugin dédié. Alors déjà parce que ce plugin-là doit avoir sa propre identité pour pouvoir interagir avec les ressources de l'hébergeur, en l'occurrence GCP. C'est pareil sur Azure, il vous faut un service principal. Et comment? Donc vous devez gérer une identité avec une clé, vous êtes censé, dans les bonnes pratiques de sécurité, faire des rotations de cette clé à intervalles réguliers, donc redéployer votre Velero avec la mise à jour de cette clé-là. Ouais, très lourd. Alors que maintenant, vous pouvez, avec les versions récentes de Kubernetes, où ils ont développé le concept de Container Storage Interface de la même façon que vous avez fait les Container Network Interface. On a les Container Storage Interface qui sont là pour abstraire les spécificités de vos classes de stockage pour permettre des actions génériques comme les snapshots. Et en fait, c'est derrière le contrôleur qui est généralement déployé par votre cloud provider qui va directement avoir les permissions qu'il faut pour aller déclencher les snapshots sur vos volumes. Mais Velero ne fait pas que ça. Velero, d'ailleurs, son premier usage, c'est d'aller sauvegarder les objets Kubernetes, donc les données, tout ce que vous déclarez en fait dans Kubernetes, donc typiquement hein, tout le contenu des manifestes. Hein, c'est quand on crée un déploiement comme ça c'est un objet déploiement, il est stocké dans la base de données. De Kubernetes. Alors pour les grosses installations chez les cloud providers ou des installations classiques dites vanilla de Kubernetes, ça va être etcd la plupart du temps.
Sur des strip-down comme 4OS, c'est souvent des outils comme SQLite, mais bon, le concept reste le même. L'idée, c'est que vous avez une base de données qui contient l'intégralité de ces objets. Soit vous êtes un furieux et vous sauvegardez la base de données de manière indépendante, ce qui est faisable hein, quand vous gérez vous-même les nœuds. Quand vous gérez vous-même les nœuds, vous pouvez sauvegarder ces objets-là, vous pouvez sauvegarder directement la base de TCD de manière indépendante. Je sais pas dans quelle mesure c'est quelque chose qui est intéressant, recommandé à faire, à voir. Honnêtement, pour être tout à fait honnête, j'ai d'abord majoritairement abordé Kubernetes via les cloud providers. Donc en fait, la partie vanilla, j'ai encore quelques lacunes, je rattrape petit à petit au fur et à mesure. Si vraiment je me prenais le temps de me dire, allez, je mets le budget, je passe la certification Kubernetes Administrator, je pense que j'aurais vraiment le. J'aurais vraiment tout ce qu'il faut. Tiens, je suis pas à jour moi là-dessus. Il va falloir que je me réveille. Comment? Mais alors du coup, si on a tout ça, à quoi ça servirait de sauvegarder les objets de Kubernetes? Alors, il y a plusieurs cas d'usage. Il y a plusieurs cas d'usage. Le principal que moi j'ai. Enfin, j'en ai vu deux principaux. Le premier, ben vous voulez peut-être avoir une sauvegarde indépendante de ce que vous avez dans vos dépôts Git. En fonction de où sont stockés vos dépôts, si vous ne les stockez pas sur votre propre forge que vous sauvegardez déjà vous-même, si c'est stocké chez un GitLab.com ou un GitHub.com, vous croisez les doigts pour qu'ils fassent leur backup comme il faut. Croiser les doigts pour qu'ils restaurent comme il faut le jour où ils perdent des choses. C'est jamais arrivé, mais on peut jamais dire jamais. Hein. Et par contre, et c'est pas garanti que les développeurs qui ont accès à vos dépôts aient accès à l'intégral et accès aux versions les plus récentes, parce qu'il n'y a pas de synchronisation automatique. C'est à vous de faire vos git pull, vos git fetch, ce que vous voulez en fonction de votre flux de travail. Et donc, si jamais on perd l'accès à ces dépôts-là, ben c'est bien d'avoir du coup des informations sauvegardées d'une autre façon. Déjà de base, malgré tout, on n'est pas, ça coûte pas grand-chose, parce que sauvegarder du YAML compressé, ça coûte, même dans le plus gros cluster que je gère où on a en production, on a un truc comme 300 namespace, un truc comme ça. On a 300 namespace, les sauvegardes, ça doit être une quarantaine de mégaoctets avec tout ce qu'on a comme objet custom aussi en plus. Bon, voilà, on n'est pas sur quelque chose d'énorme. C'est de la sauvegarde de texte formatée en YAML la plupart du temps. C'est pas catastrophique, ça coûte pas cher à stocker, donc ça coûte pas grand-chose de le faire. Pourquoi ça peut être intéressant de le faire? Alors par défaut, nous on a tendance chez nous à déployer le Velero et à tout sauvegarder. C'est-à-dire y compris ce qui traîne dans le kubesystem. Alors sur le coup, on se dit, mais le kubesystem, c'est bah, notamment quand on est dans un cluster de cloud provider, c'est encore moins d'intérêt, parce que la plupart de ce qui est déployé dedans est géré par le cloud provider. Et nous, on a très peu de choses à faire dedans, voire jamais, voire rien à faire. Pas tant que ça. Pas tant que ça. J'ai eu le coup de découvrir il n'y a pas longtemps sur un cluster GKE, notamment d'ailleurs, qu'on avait modifié la configuration du kube DNS, donc le résolveur interne de DNS dans Kubernetes. On avait modifié la configuration pour utiliser un résolveur public qui était externe à GCP, qui du coup reposait pas sur le reste de l'infra GCP, c'est-à-dire Cloud DNS. Parce que donc le DNS, on avait une configuration qui nous posait des problèmes avec les applications qui étaient déployées, donc du coup. Et j'étais bien content d'avoir des sauvegardes Velero de ça, parce que j'ai découvert. Bah, quand j'ai découvert qu'on avait modifié ça et que ça avait été fait à la main, et bah, du coup, c'était stocké dans aucun dépôt Git. Donc si on avait eu à faire un disaster recovery, c'est-à-dire le pire cas de figure, on redéploie un cluster de zéro. Redéploie toutes les applications en restaurant les données et tout le temps. On aurait découvert que certaines applications ne fonctionnaient plus. Parce qu'on serait retombé sur le problème qu'on avait eu. En plus, la configuration, ça remontait au mois de janvier. C'est-à-dire que ça faisait 9 mois quasiment que ça traînait
dans le cluster comme ça sans qu'on ait enregistré quelque part l'information. Pourquoi? Bah parce que ça avait été fait dans le cadre d'un incident, que chez nous, les équipes qui gèrent les incidents, c'est des équipes indépendantes, que sur le coup, elles n'ont pas forcément accès à l'intégralité, notamment des manifestes qu'on pourrait dans lesquels qu'on stocke à côté du code Terraform qui nous avait servi à déployer l'infrastructure. Donc on stocke aussi tout ce qui n'est pas déployé par du code Terraform. Pas par des charts M, quand c'est des configurations manuelles comme ça, on a le tour aussi du. C'est pour l'opérateur Dynatrace, la nouvelle version de l'opérateur Dynatrace qu'on a déployé, bah, par défaut, il débloque l'opérateur. Et c'est à nous après de dire dans quel mode on va déployer l'agent. Et on avait besoin de déployer de version spécifique. Du coup, on a documenté comme c'est un objet custom, parce que dans la plupart des opérateurs, vous allez créer des objets custom pour simplifier comment vous décrivez ce que vous voulez déployer. Voilà, en l'occurrence, on dit, voilà, on veut le mode cloud native full stack de Dynatrace, de l'agent Dynatrace. Donc, du coup, on a créé un YAML avec ça pour l'objet Dynacube. Et hop, il l'a déployé. Ça, pour le coup, on l'a mis dans le dépôt Git. Mais la configuration kubeDNS, par contre, eh ben non. Donc du coup, on est bien content d'avoir du Velero le jour où on doit restaurer ça, parce que ben, on ne l'a pas autrement. On ne l'avait pas autrement. Bon, le fait est que moi, entre-temps, j'ai demandé à faire corriger la configuration Cloud DNS parce qu'elle était vraiment débile. On a trouvé quelque chose qui était beaucoup plus pertinent. Et du coup, on a pu virer la configuration custom. Mais voilà, c'est un choix enfin. Depuis tout à l'heure, je vous partage une page blanche. Je suis vraiment éclaté, je suis vraiment désolé. Hein. Je m'excuse. Je dis, ça va pas durer longtemps. Et je pense que je vais aller m'imprimer très très vite là derrière après, dès que je vais couper. Donc voilà, les objets Kubernetes, les sauvegarder, ça peut être bien pour ça. Ça peut être bien aussi le jour où, pour X raisons, encore une fois, souvent, ça va être quand on doit gérer un incident. Travailler à l'intérieur de Kubernetes, c'est toujours plus rapide que d'aller déployer dans un dépôt Git. Et d'attendre que votre outil de déploiement, que ce soit un pipeline GitLab, que ce soit un agent Argo ou Flux.cd dans le cluster, et encore en plus quand ceux-là sont à l'intérieur du cluster et qui sont aussi par terre, donc ça pourrait arriver. Donc des fois, on n'a pas d'autre choix que d'aller travailler à la main dans le cluster. Et le nombre de fois où j'ai vu ça, c'est-à-dire que les collègues font ça, travaillent, corrigent le problème, mais ils le corrigent dans le cluster, et ça retourne pas dans Git. Ça retourne pas dans le Git derrière. Donc du coup, vous avez fait une modification qui fonctionne pour corriger un problème dans une application, un déploiement, un truc là, et vous avez oublié de le remettre dans votre dépôt Git. Alors, soit vous faites plusieurs livraisons par jour et vous allez comprendre très vite que vous avez oublié de le remettre dans le dépôt Git. Soit j'ai déjà vu ça pour des applications malheureusement pas très bien maintenues par notamment bah, par les développeurs qui géraient le truc. Et on a des applications, par exemple, on n'a pas eu de livraison pendant un an. Voilà. Et donc du coup, bah, quand vous corrigez à l'intérieur du cluster, vous pensez pas à déployer dans Git, et puis bah, parfois on met un an à se rendre compte qu'on a oublié de rapporter. Bon là pour le coup, il n'y a pas de solution non plus, parce qu'à moins de garder un an de backup, vous êtes foutu. Encore que, bah, si une fois qu'on a fait la modification, les backups sont quotidiens, donc on l'a quand même, je dis des bêtises. Mais bon. Mais du coup, voilà, ça pourrait vous arriver d'écraser une correction que vous avez faite et de pas comprendre ce qui se passe, forcément. Et du coup, après, vous vous retrouvez à devoir investiguer, à comparer la livraison qui vous a pété à la gueule par rapport à la livraison précédente. Ce que vous pouvez faire, parce que, notamment, enfin, c'est plus facile avec Helm qu'en allant récupérer les données de Velero, mais comment? Avec Helm, vous pouvez comparer les manifestes entre les deux versions. Et là, vous allez voir tout de suite votre différence. Ça, c'est si vous avez encore l'historique de Helm, parce que tout n'est pas par terre. Mais votre historique de Helm, à partir du moment où c'est des secrets dans Kubernetes, donc vous pouvez les récupérer via Velero aussi.
Vous avez différentes façons du coup de travailler pour corriger ce problème-là, mais c'est quand même pas. Voilà. Et Vélero a un troisième mode. En fait, c'est celui que je voulais tester ce soir, mais je pense que je vais devoir remettre ça à plus tard, vraiment. C'est le mode fichier, le mode file system. Alors ça, c'est pour les cas où vous avez des classes de stockage, où vous avez pas de, vous pouvez pas lancer de snapshot pour X raison, parce que le type de stockage sous-jacent supporte pas d'être snapshoté comme ça. Alors moi, quand j'avais regardé, c'était il y a 2 ans, c'était pour du Azure. Et il y avait des gens qui avaient déployé du file share en mode provisionné dynamique. Et le file share, on pouvait pas faire de backup, y compris avec le plugin Azure, ça marchait pas. C'était pas supporté. Parce que Microsoft a encore. Alors, ça a peut-être évolué depuis, mais c'est pas une garantie forte. Donc je jetterai pas, je voilà. De toute façon, j'aime pas Azure. Et donc vous avez ce mode file system qui du coup va aller récupérer les infos dans les pods, enfin depuis les pods qui sont en train de tourner avec leur volume. Alors il y a deux outils qui ont deux architectures différentes. Il y en a un qui il y a un avec Restic et apparemment je ne sais pas pourquoi ils ont décidé de rajouter aussi Copia. C'est deux architectures complètement différentes. Donc du coup, a priori, ils ont intégré le l'uploader et le repository. Alors a priori, faudrait que je m'intéresse à l'architecture de ça. Donc on voit qu'on a l'uploader qui est celui qui se charge d'aller récupérer les datas et puis après de les balancer dans la partie repository qui correspond à plusieurs éléments, où on peut gérer un stockage sous-jacent aussi différent en dessous. Donc j'ai vu ça là 10 minutes avant de démarrer. Honnêtement, j'ai pas spécialement l'énergie à me concentrer pour en apprendre quelque chose. En vrai, à la limite. Autant vous. Attends, c'est celui-là, voilà. Je vous mets le lien si vraiment vous êtes plutôt plus intéressé pour creuser dedans. Mais voilà. Alors après, comme d'habitude, ça a ses limites. La sauvegarde en mode fichier, puisque la plupart du temps, c'est linéaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de notion de. Il n'y a pas de notion d'instantané, et du coup, si jamais les données évoluent pendant qu'on est en train de faire le backup, vous avez le début de vos données qui a un certain âge, et la fin de vos données qui a un autre âge. Sur des gros volumes, honnêtement, c'est pas ce que je privilégierais, mais parfois on n'a pas trop d'actions, on n'a pas trop d'options. Parce que comme on est dans des conteneurs, on a des éléments qui sont limités, notamment en termes de système de fichiers, c'est pas du. On n'a pas de possibilité de faire. Tiens, c'est un truc que je pourrais vous présenter, ça aussi, c'est quelque chose qu'on fait plus trop, mais si jamais vous avez de la base de données en machine virtuelle, je pourrais éventuellement vous présenter comment on fait un backup avec du LVM sur les données, qui permet de s'assurer qu'on a vraiment un backup consistant. Mais voilà, donc on a ça. Ce mode file system, c'est ce que je voulais tester, même si ça n'a pas trop d'intérêt, parce que comme je dis, moi mes volumes ils sont sur le NFS et j'ai pas d'autres. J'ai pas d'autres sources de volume, donc ça me sert pas à grand chose. Si vous utilisez des outils comme Longhorn ou OpenEBS, je crois que. Ou même Rook. Et puis si Rook a un système de backup intégré, tiens. Hop là. On va aller voir la documentation. Quick start, open shift, clean up. Non. Alors du coup, comment on fait pour.
Getting started, custom resource, un custom resource, storage, PVC, stretch. Ça c'est surtout les CRD. Je sais pas si on a un système de store, un système de backup. Si on cherche là-dedans. Voilà, backup and restore. Hop, ok, donc ils ont des systèmes de backup intégrés a priori. Créer un volume réplication, d'accord. D'accord, bon, ça a l'air un peu. Ça a l'air un petit peu. Un petit peu plus artisanal, un petit peu plus manuel, mais ils ont une. Ok, ils ont un système de sauvegarde et de restauration pour les volumes, d'accord. Donc, dans du safe, donc pareil, voilà, c'est pas le genre de choses où on a forcément besoin d'aller attaquer. Je sais que Longhorn, moi j'avais testé justement le backup intégré de Longhorn. Qui va récupérer le contenu des volumes, enfin, qui va s'occuper du contenu des volumes pour les mettre sur du stockage objet. Donc voilà, Velero peut quand même vous rendre des services, pas forcément. Sur la partie système de fichiers, effectivement, ça a très très peu d'intérêt. Et même si on y voit peu d'intérêt avec du. Parce que on a des sources Git ailleurs pour déployer tout ce qu'on a besoin de déployer, on n'est jamais à l'abri de. Pendant la vie de votre cluster, d'opérations manuelles qui ont été faites sous le manteau ou parce que vous avez différentes équipes qui doivent intervenir, vous faites quelque chose dans l'urgence pour régler le problème pour un client et vous le balancez pas sur. Balancez pas après derrière sur le. Sur la fin du. Vous le balancez pas sur votre source de vérité derrière, pour différentes raisons, et y compris dans le cube système où là vous avez vos configurations. Vous allez avoir des configurations assez avancées, particulièrement, principalement sur les intégrations dans le cadre d'un cloud provider si vous êtes dans ce cas-là. Donc en vrai. Mangez-en. Alors après, les politiques de backup, évidemment, ça va dépendre de chaque cas d'usage. On a l'habitude de dire. Alors, je parle pas du 3-2-1, ça va être surtout tout ce qui est étalement, fréquence des backups. Voilà, j'ai eu le cas d'un client qui me demandait d'avoir un backup toutes les 2 heures. Pourquoi pas? C'est assez énervé. Ça peut se comprendre. Hein. Ça peut se comprendre. On peut avoir des situations. Alors généralement, ça va être dans le cadre des bases de données, dans le cadre des bases de données, plus que dans le cadre de fichiers. Vous allez vouloir implémenter ce qu'on appelle du point in time. Alors c'est plus facile à faire parce que je crois que dans MySQL c'est pas supporté, mais dans PostgreSQL oui. Pour faire du point in time recovery là. Voilà. Et je suis en thème sombre, pourquoi pas. Hop. On va vous mettre en thème clair, ce sera peut-être plus facile dans le. C'est ça. Putain, la police est pas grosse, hein, même. Oh, ça va encore. Ça va encore. Donc voilà, donc ça a priori c'est à partir de la version 11 de PostgreSQL, ce qui est de toute façon le minimum qu'on pourrait vous recommander, mais ce serait pas mal de commencer à s'intéresser aux autres versions. Si vous avez du GitLab notamment, vous devriez déjà être en version 13 minimum, voire 14 et encore, donc minimum 13. Donc voilà, PostgreSQL, lui, va créer automatiquement un système d'archivage et vous pouvez faire ce qu'on appelle du point in time recovery. Donc il va créer vraiment des mini instantanés de votre base de données. Et ce sera beaucoup plus efficace de restaurer ces éléments-là sur des périodes très récentes plutôt que de. Plutôt que de passer par un outil de sauvegarde plus classique, à faire des gros dumps, etc.
peuvent prendre énormément de temps, voire même être pratiquement impossible sur des bases de données de gros volumes. Et comment? Enfin, moi je sais que typiquement quand on fait du dump base par base, bah, justement sur le fameux cluster où on a quasiment 300 applications, on a un script qui va passer sur tous les clos d'SQL et faire un export de chaque base de données, en plus du backup, intégré de l'instance Cloud SQL elle-même. On a ce script de backup individuel, d'export individuel de chaque base, et ce script met plusieurs heures à tourner. Parce que forcément, ça prend énormément de temps. Donc, et du coup, bah, même pour les objets Kubernetes, ce client nous demandait de sauvegarder les objets cubes toutes les 2 heures. Alors que pourtant, il faisait pas de livraison toutes les 2 heures. Hein. Il n'y avait pas beaucoup d'intérêt pour ça. Pour les volumes, on pouvait pas le faire. Donc c'était plus compliqué à faire pour les volumes. Comment? Je sais plus pour quelle raison. Pour quelle raison on pouvait pas les volumes? C'était pas de l'Azure Fileshare, donc on était dans un autre contexte. J'arrive plus à me souvenir. Bon, je sens que je vais pas tarder à m'arrêter là par rapport à. Ça fait très court et d'habitude on a toujours l'habitude de bricoler un peu, mais là je suis vraiment pas en état. J'ai le cerveau qui a du mal à arquer comme il faut. Donc, si vraiment la démo vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, soit tout de suite, soit plus tard. Puisque je suis un peu partout. Alors, toujours pas sur Blue Sky, il va falloir que je m'en occupe de ça. Twitter principalement, j'y passe, enfin, Twix comme j'ai mis dans le titre du live. Comment? Mais du coup, ouais, on fera une démo peut-être plus tard, si ça a un intérêt, vraiment. Sauf si c'est pas si intéressant pour vous. Je pense qu'on verra plus tard. Même moi, je sais pas si je vais me le mettre. Je suis pas sûr d'avoir un intérêt de le faire. Mais ceci dit, bricoler des trucs à la main, je le fais aussi, hein, dans le cluster. Donc tu vois, ça pourrait vraiment avoir un intérêt de le faire. Surtout que ça coûtera que dalle. Mais en vrai, je veux avoir un Minayo avant. Propre. Parce que là, celui que j'ai, il est vraiment pas propre. Et pour ça, voilà, je pense que ça se sera remis dans un futur plus ou moins proche. Et en vrai, pour avoir un Minayo propre, eh ben, c'est pour ça que j'ai gardé les onglets ouverts, c'est que j'aimerais. Je me suis reposé la question de changer de NAS, parce que j'avais commencé à regarder en début d'année. Et je cherchais à m'orienter vers des NAS tout faits, donc il y avait celui-là par exemple. Actuellement, j'ai un Asus Store, mais un 1004T. C'est un NAS 4 baies minimaliste, entrée de gamme. Le processeur est une honte, mais il fait le boulot. Et surtout, il coûtait pas cher, mais ce qui coûtait, il m'a coûté, je sais plus, soit 300, soit 400 euros, mais vraiment pas plus. Et par contre, dès que vous voulez mettre un disque ou en rajouter un, vous êtes obligé de le décalquer, vous êtes obligé de l'éteindre, de le démonter, pour pouvoir brancher un truc dedans. Donc c'est un peu pénible, donc je cherchais un truc un peu plus. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de photos pour vous montrer le truc, mais si je vous montre. Voilà, la photo un peu plus. Alors, on peut pas l'avoir de plus près, mais en gros l'idée, voilà, c'est que vous pouvez avoir des racks et vous n'êtes pas obligé de démonter tout le boîtier et de l'éteindre pour pouvoir monter un nouveau disque. Ce boîtier-là est intéressant, mais il a 10 ans, donc je cherche encore un petit peu s'il n'y a pas moyen d'avoir quelque chose de plus récent. C'est pas évident parce que surtout en France, on ne trouve pas beaucoup.
le marché est vraiment minimaliste, soit intégré. Donc en fait, l'idée c'est de dire, voilà, pour le châssis, parce que les disques durs c'est encore un autre sujet à part et je sais pas encore vers quoi je vais m'orienter, mais le boîtier tout prêt, vide, avec quand même un Intel Celeron 5105 assez, un peu, beaucoup plus énervé que ce que j'ai actuellement, c'est 600 balles, 700 balles. 700 balles avec deux interfaces Ethernet, de l'USB 3 et deux interfaces Ethernet en multi-gig, qui est un autre truc que j'aimerais viser à terme aussi. Du coup, quand j'ai vu ça, alors c'est effectivement, c'est probablement Nidouille, je l'ai vu probablement par Nidouille, l'Econonas, donc c'est un. Et a priori, vu les liens, c'est un Américain qui a sorti ça, mais très récemment, hein, puisque là, c'est le 20 septembre, donc c'était il y a moins de 10 jours. Un modèle de NAS do-it-yourself, pour lequel il veut utiliser notamment TrueNAS, qui continue de m'intéresser beaucoup, même si les rares fois où j'ai voulu l'utiliser, ça s'était pas toujours bien fini, mais... Et du coup, ils partageaient une série de composants qui font que, bah, en vrai, si je m'intéressais au sujet, bah, j'ai commencé à m'intéresser justement. Alors bon, vous voyez, comme je disais, ce boîtier-là, il est sympa, mais ce boîtier-là, je me suis raté sur le clic. Quel enfer. Ce boîtier-là, bah, le problème, c'est qu'il est sorti en 2011. Donc il commence à dater. Son principal problème, c'est qu'il n'y a pas d'USB 3. Par contre, il est fourni avec l'alimentation en 200 watts. Donc on est peinard là-dessus. Par contre, bah, c'est un boîtier. Il faut mettre la carte mère, il faut mettre les disques aussi, la RAM. Et la carte mère en question, qui est dans l'Econonas, là, la Tom. Comment il s'appelle là? Tompton V1, c'est ça? Ou je sais plus trop quoi, le nom est. N50, Tompton N5105. Bon bah celle-là. Alors je sais pas si c'est Tompton exactement la marque. Parce qu'a priori non, on voit la marque là, mais en gros c'est exactement les mêmes caractéristiques que celles qui sont présentées. Donc on a 4 ports Ethernet. D'ailleurs sur le circuit de la carte mère on les voit là. 4 interfaces réseau multi-gig. Donc 2,5 gigabits. Donc c'est assez costaud. C'est aussi un Celeron N5105, donc les mêmes caractéristiques. Vous avez 6 ports SATA, plus, vous voyez là, au même niveau que les cartes réseau, vous avez aussi un port M2 pour mettre un SSD, soit pour le système ou éventuellement pour le cache, parce que ça peut être intéressant. Donc voilà, avec de l'USB 3 derrière. Donc ça c'est intéressant. Et la RAM en ce moment, comme ça coûte rien. Et donc bah, vous voyez, vous en avez pour 163 plus 199. Donc on est à 363 plus 40. Ça fait 400 balles. 700 balles. Ok, voilà. Donc on a 300 balles d'écart pour se faire son NAS soi-même avec exactement les mêmes performances. Alors par contre, bah oui, pour l'instant, sur ce boîtier-là en particulier, ça manque. Ça manque, ça manque. Et des boîtiers comme ça en rack hot swap, bah, on n'en trouve quasiment pas. Et j'aimerais vraiment avoir ça, j'aimerais vraiment trouver comment le faire, parce que c'était rigolo, hein, faire le NAS soi-même en mettant tout le matos sur le bureau. Je l'ai fait une fois, hein, je crois même que j'avais partagé la photo. Je dois avoir ça dans un coin, non? Je sais plus comment. Ah, est-ce que j'avais fait ça? J'avais rappelé, non, ça c'est le NAS, ça c'est pour parler du NAS Azustor. Voilà. Mais
Est-ce que non? Oh, j'avais fait un truc il y a très longtemps. Ça devait être ça peut-être? Sur l'image du serveur perso? Non. Ah voilà. Voilà. Ouf. Oh la vache. Ça rajeunit pas. Ça rajeunit pas, donc voilà. Donc ça, c'était ma première expérience de NAS. À l'époque, j'expérimentais surtout avec le RAID. Et donc il y a les deux disques qui sont là. Et en fait, là, c'était une ancienne carte mère que j'avais gardée après avoir changé de PC. Avec un. Alors, est-ce que c'était le E6600 ou c'était déjà le E8400? Je ne sais plus. Avec une carte graphique, parce que forcément il n'y en avait pas sur la carte mère, il n'avait pas intégré dans le processeur à l'époque. Hein. Ça remonte à. Ouais, alors si l'article date de 2014, les photos doivent remonter à 2012-2013 peut-être. Parce que. Ouais, ça devait être ça, un peu de choses près. Et avec le vénérable, on voit que j'avais testé mes trucs avec Ubuntu à l'époque. Donc c'était encore un Ubuntu avec un Gnome 2, on n'était même pas passé à Gnome 3 encore. Hein. Oh la vache. Oui, donc c'est vraiment la vieillerie, quoi. Donc ouais, ça c'est rigolo, hein, l'expérimentation comme ça, mais ça va 2 minutes. Donc je cherche quelque chose de beaucoup plus pertinent, on va dire. Et potentiellement. Mais ouais, l'idée, faudrait vraiment que je trouve un remplaçant à ce boîtier-là. Alors, effectivement, on a eu la discussion sur Twitter, hein, c'est vraiment pas évident, en tout cas en France. Je suis pas allé voir sur eBay s'il y avait d'autres boîtiers dans le même style qui existaient. Mais en tout cas, ça s'oriente vraiment vers ça. Et une fois que j'aurai le NAS propre, et ben normalement, avec que ce soit avec OpenMediaVault ou avec TrueNAS, derrière, je vais pouvoir installer du vrai Minayo, parce que j'ai pas envie de le déployer dans le cluster. Avec son stockage sous-jacent sur le NAS, ce serait vraiment con. L'idée, c'est que les applications qui sont liées au stockage, j'en parlais d'ailleurs quand on a parlé de Nextcloud, idéalement le Nextcloud, j'aimerais bien aussi, vu qu'il stocke des fichiers, j'aimerais bien qu'il soit déployé sur le NAS lui-même. Donc si je peux avoir tout ça directement sur le NAS, ce sera plus intéressant pour moi. Et là, on aura un stockage objet qui permettra de gérer de pouvoir expérimenter quantité d'autres applications, y compris le Velero. Y compris le Velero, que ce soit pour les objets cubes et ou peut-être pour le mode fichier. On verra bien. On testera les deux, je pense. Donc voilà. Sur ce, bon bah je vais m'arrêter là. Tant pis, j'ai pas. Honnêtement, voilà, il faut que j'aille dormir. Faut que j'aille dormir, j'ai la chance de pas avoir grand chose à faire ce week-end, donc je vais pouvoir me reposer un peu, ça sent les bonnes siestes là. De toute façon, ça cause pas. En plus, ça cause pas beaucoup ce soir. Déjà, vous êtes pas beaucoup et en plus, ça cause pas. Donc, du coup, je vais pas m'infliger plus que ça. Je vais repasser sur la webcam. La prochaine fois, je ferai peut-être un truc. Donc, la semaine prochaine. La semaine prochaine, password. Et quand je dis password, c'est que vraiment, il est. C'est imminent, c'est-à-dire que. Alors, je sais plus donner où. Ouais. Voyez, il est là. Il est là, il est là. J'ai commencé, donc le fichier, il est là. J'ai commencé à le filtrer. La liste brute fait 747 000 lignes, presque 748 000. En la scrollant un petit peu, j'ai vu qu'il y avait le nom du site. Mon idée, c'est pas de shame le site. Il se démerdera tout seul quand il se fera éclater. Mais comme il y en a beaucoup qui utilisent le nom du site dans leur mot de passe, j'ai filtré le nom du site. Du coup, j'ai viré tous les mots de passe où il y avait le nom du site dedans. Majuscule, minuscule. Hein. Alors, il y en a peut-être qui sont passés à travers.
faudrait que je relise encore, mais avec 700 000 lignes, c'est quasiment impossible. Et voyez que c'est pas une pratique anodine, puisque quand j'ai nettoyé le nom du site, ben on en a plus que 732 000. Donc on a 15 000 personnes qui sont amusées à mettre en toutes lettres tout ou partie du site, du nom du site, dans leur mot de passe. Ça, c'est pas dingue. Hein. Mais bon, on verra ça plus en détail la semaine prochaine. J'espère être en meilleur état la semaine prochaine, vraiment, parce que c'est un petit peu compliqué, là. J'ai pas passé la semaine la plus reposante de ma vie. Et du coup, on fera ça... Dedans, il y a des mots de passe qui sont très rigolos. Hein. Donc ce sera sympa à faire aussi. J'ai suivi ce que j'avais dit cette semaine, c'est-à-dire le chat, le sondage Twitter comme résultat. La semaine prochaine, on fera vraiment ça. Et parce que vraiment, faut qu'on voit aussi. Ça permettra de mettre le nez sur des trucs, y compris que moi je fais hein, en termes de pratique de mots de passe. J'ai beau avoir un gestionnaire de mots de passe. Je suis pas encore. Il faudrait que je refasse l'inventaire de mes identités, mais je suis pas encore complètement. Je suis pas encore complètement sec sur le sujet. Il y a encore beaucoup de comptes, notamment les moins actifs, où j'ai encore des mots de passe qui sont vraiment une honte en 2023, en fait. Hein. C'est pas parce qu'on a de la double authentification que ça nous sauve. Mais faut vraiment que je fasse le ménage là-dedans. Mais voilà, on verra un petit peu. On essaiera de faire des classements par taille de mots de passe, ce genre de choses. Ce sera rigolo, je pense. Et on fera ça. Je pense que en ligne de commande, ce sera rigolo, plus rigolo à faire que et moins douloureux que via un tableur. Notamment sur la taille des entrées, je suis pas sûr que ce soit facile à faire. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser là. Comme d'habitude, alors normalement. Pas de contre-indication, ce sera uploadé sur YouTube ce week-end, je pense, parce que là en plus c'est beaucoup moins gros que d'habitude. Je vais quand même tenter un truc pour le prochain stream. Pour le prochain stream, plutôt que là, ce que je fais d'habitude, c'est que je. En fait, là, dès que je coupe le live, je télécharge le live depuis Twitch. J'ai pas d'enregistrement local. Du coup, je ne récupère que la qualité que vous avez eue pendant le live. Mais quand je la réupload sur YouTube, bah YouTube recompresse encore derrière. Et même sans ça, j'ai déjà vu que ce que Twitch enregistrait en termes d'encodage... Alors c'est peut-être parce que l'encodage à 6 mégabits seconde, c'est vraiment trop dégueulasse, je sais pas, mais c'est pas la folie. Il y avait beaucoup d'artefacts, notamment quand on faisait les défilements de consoles. De texte en console, c'était pas dingue. Du coup, mais pour ça, j'ai encore de la place pour l'instant. À la limite, je ferai l'expérience quand même. Je vais paramétrer l'enregistrement dans OBS parce que là, je pourrais mettre beaucoup plus de qualité dessus. Alors, ça fera un fichier beaucoup plus gros, hein, parce que là, pensez que 2 heures de live, ça fait à peu près entre 6 et 7 gigaoctets à peu près, un truc comme ça. Ça fait un film, hein, finalement. Hein. Et en vrai, je vais mettre. Soit je vais mettre plus haut, soit je vais encoder en AV1. Puisque bah 7900 XT oblige, j'ai l'encodage AV1, donc je vais en profiter. Et comme ça, je pousserai ça sur YouTube après. Alors avec un peu de chance aussi, je pourrais faire de l'encodage en plus grande taille. C'est-à-dire que j'enregistrerai le fichier à la taille native de l'écran. C'est-à-dire le 1440p, et je uploaderai ça comme ça en l'état sur YouTube. Ou alors j'enregistre en 1080p, on verra. Mais je pense que je ferai de la V1. La V1 en 6 mégabits seconde par rapport au H264, ça va pas être la même salade, je pense. Et ça permettra d'avoir une bien meilleure qualité. Sur ce, je vais vous laisser là. Et je vous dis bon week-end. A plus tard sur les internets et au plus tard vendredi prochain. Ciao ciao! Et c'est là.